Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le sixième épisode de South Park Live du Destin. Dans l'épisode précédent, on est parti du commissariat, qui est là. On s'est baladé un petit peu, on a été à l'école primaire, on a été... à l'école primaire on a vu le psychologue. Et après on s'est fait agresser par des gens parce que je suis un garçon cisgenre. Il a fallu que je donne mon genre de garçon. On a été au centre communal. Ensuite, on s'est un peu baladé. On a été au magasin de tacos de Morgan Freeman. Et donc là, on va faire l'enquête de police. Faut que j'arrive à m'infiltrer dans la maison. Réfléchissons, si j'étais un bateau, où j'irais me mettre? Ah, et sixième. Forcément, le criminel a recherché une famille de blagues. Tu devrais pouvoir le voir. Hé, hey, tu es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Engagement, engagement! Bal dealer. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Tiens bon! Hop, on Mais va le brûler. Qu'est-ce que vous me voulez? Barre-toi de chez moi, foutre Dieu! Riposte! Bon, je devrais m'en sortir facilement. Ah non, c'est que devant. Ah, qu'est-ce qui vous prend? Ça t'apprendra à pourrir notre jeunesse. Écoute, avec je tes fais drogues. Que protéger mon domaine. Ouais, voilà, il va être KO. Enfin, j'ai raté les trois, mais il est KO. Le pendant qu'il est à terre. Un peu d'expérience. Un nouvel artefact. Putain, t'es un vrai super-héros. Très bien, ça fera un dégénéré violent de moins dans cette ville. N'hésite pas à revenir nous aider. On va aller visiter l'étage. Alors en off, j'ai regardé où se trouvait le vieux qui cherchait des capotes. Ok petit, je vais te suivre, mais parce que tu me fais pitié. C'est gentil. Youpi! Merci. Bon, ok, d'accord. Youpi! Non, je m'embête pas à faire des super photos et tout. Hein. Merci nouveau, on se suit en ligne. C'est le fait de pitié du nouveau. Allez, je deviens un influenceur important quand même. Hein. Pas mal de followers maintenant. Et en charge. Ah, c'est bon. J'arrive pas. J'ai eu chaud, j'étais vraiment à la limite du temps. Non, j'arrive pas avec le... J'ai un problème de synchronisme, je pense.
Parce que j'arrivais pas à faire le joystick R et puis les RT, LT en même temps. Hop, on a vu qu'il y avait des sixièmes juste à côté. Puis là, je pense qu'il faudra que j'arrive à... Les petits chats, flippettes de chat à la con. À niveau 60. Ça, c'est un bon CM1. Viens plus près. J'ai tapé. C'est une grosse erreur de s'en prendre au coon et à sa bande. Qui emmerdez maintenant? Pourquoi pas vous? Réveillez-moi quand c'est mon tour. Oh! Une bonne mandale ne fait jamais de mal. À défaut d'autre chose, vous cognez dessus me fait le plus grand bien. Réfléchis pas trop, Troduc, suis ton cœur. Ça te fera une belle cicatrice. Bon, qui sera le suivant à avoir droit à ma rage? Tu t'en es sorti comme un champion. C'est l'heure du médicament, les CM1. Non. Prends ça, CM1. T'es une grosse bouse. Tu m'en dois une sérieuse. Ok. Prévision météo, forte chance d'attaque de cerf-volant. Voilà, ça risque d'être un peu compliqué. On prend le boulot. C'est mon putain de tour, ouais. Première altitude. Oh. Là, tu te sers de ta tête. Ok, bah on pisse, ça je devrais pouvoir éviter. Prêt à laminer l'ennemi à la... À la vitesse du son. Non, faut pas faire ça. Waouh, mes tympans ont claqué. Comment refuser de latter des CM1? Tu demanderas à ton petit copain de te masser. Il va me dégoûter. Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. On va mettre là. On va se mettre... On va se mettre là. Joli coup! J'ai regardé ça se développer comme un marathon de série télé. Ouais, je suis rapide. Par ce téton. Tu vas pleurer, CM1. Ok, donc là, mon truc est quasiment chargé. Oh non, j'ai pas... C'est juste un avant-goût. Tu vas y avoir froid pendant des années. Si j'en prends sur mes pompes, ça va chier. Bon, qu'est-ce qu'il est réduit en cendres? Oh, je sais, une colère de cerf-volant. Et si je me recule là, ça fait 3. C'est mieux d'en avoir un en moins. Je vais être franc, ça va vraiment faire mal. Je pense que ça va être juste au niveau du combat. Et moi qui ils sont brûlés en plus. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? Allez, c'est parti.
Que je regarde. J'ai personne dans ma... Quand tu veux, Craig. Laisse-moi le temps, c'est un volant. J'ai personne dans ma ligne de mire. Donc... on va s'arrêter là. Yeah. Qui va mettre KO ses deux copains, lui. Ok. Non, pas les deux. Lâche-toi, nouveau. Alors, on va regarder... Et si je fais Y, il est à 10. On va faire celui qui a 24 parce qu'il soigne. Dans le doute, cogne le plus fort que tu peux. Le coup des sabandes pour toujours. Je devrais m'en sortir. C'est mon tour maintenant. Non. Il y aura pas un surveillant de récré pour vous sauver, les CM1. Au moins, je serai pas mort vierge. Ouais, ouais. Quoi? Les sixièmes, ça meurt pas. On est immortels. Hop. Ouais, on va faire ça. À plat et suture. Impressionnant pour quelqu'un soumis aux lois de la physique. Ça va, Super Craig? Puis il est brûlé, ouais, donc il devrait être KO. Voilà. Je suis pas mécontent de cette bagarre. Bon, c'était juste, mais j'ai réussi. On a vaincu les sixièmes. Les ondes d'ailes super gays. Ok, il me manque un raccourci. Alors on se balade un petit peu. Ok, donc là je peux pas encore y aller. Twig Bros. On va essayer d'aller à la maison de Stan. Quelqu'un a demandé un voyage express? Génial! Ça va être assez pratique. Merci. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Ok. Grand-père, il était là. Il me faut une photo avec le meilleur petit-fils du monde. Youpi! Merci, gamin. Tu vaux mieux que ton bon à rien de père. Si c'est pas le meilleur petit-fils du monde... Pas question, connard! T'es loin d'avoir assez de followers. Faut que je protège mon hashtag. Voilà, ça y est, en gros, lui a donné la capote. Donc c'était bon. Faut venir de nuit. Celui qui fait ça agit dans l'ombre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme mission? Maison de Craig. Il faut que je récupère encore des yaoi. Il y a le moustique. Il y a le police. Enfin, mettre les trucs du policier. Et il y a le... Il y a le prêtre, on va aller voir le prêtre à l'église. Besoin d'un trajet. On va où, le nouveau? Génial!
C'est quand même beaucoup plus rapide avec les drapeaux. Par contre, il m'en manque un. À plus. Bonjour le nouveau. Je ne t'avais pas encore rencontré, mais tu arrives au bon moment. South Park sombre dans la décadence. On vole nos chats, il y a des guirlandes de PQ. D'accord, ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse, mais nous avons besoin d'un héros. Je vais y aller franchement. Tu te vois comme quelqu'un de bien ? Ouais, je suis plutôt bien, oui, je pense. Je comprends ton hésitation, mais il est un moment où il faut choisir sa voie. Veux-tu trouver Jésus et prendre le bon chemin ? Ou prendre le chemin neutre ? Ne parlons même pas du troisième. J'espère que tu fais partie de la solution, pas du problème. Mon enfant, fais le premier pas et entre dans cette chambre de méditation où tu affronteras tes plus grandes peurs. Affronte tes peurs, nouvel enfant. Affronte tes peurs. Ok, on va affronter nos peurs. Ton père, baiser ta mère. T'as peur du noir, des serpents, de la couleur bleue ? Ah, un alien, un prêtre. Ah, salut. Je suis dans ton imagination. Un simple et gentil prêtre catholique qui aimerait te connaître un peu mieux. Ouais, c'est vrai, je suis dans ton imagination, moi aussi, pour te masser les épaules. Imagine que tu ressentes quelque chose comme ça. Je vais régler la lumière pour qu'on puisse faire quelques photos avec. Ouais. Ah, je crois que celui-là aime qu'on le malmène. Moi, ça me va. Cet ennemi utilise des attaques télégraphiques indiquées par la cellule assurée sur la grille de combat. Consomme un tour pour se charger et s'exécuteront au tour ennemi suivant. Cellule rouge indique la zone de dégâts. Ouais, ok. Tiens compte. Ouais. Hey, si on jouait à la main au cul, Brums! Pourquoi je peux pas tirer tout droit? C'est un peu dommage ça. La grâce de Dieu me remplit! Ok. Ah, oh, tu es la tentation incarnée! Oh, ce que j'aime ça. On va le brûler un peu. Allez, où que tu sois, montre-toi. Ah oui, il s'est relevé. Seigneur. On est presque débarrassé d'un. Qui veut me tenir la main et chanter Kumbaya avec moi ? Ha ! Où est passé ce gamin ? Ouais. On va s'en être débarrassé d'un autre. Ah ! Ne sois pas timide, inutile de te cacher. Hop, on va le mettre en flamme aussi. Ah, oula. Il va recharger son attaque. Tous les enfants de Dieu méritent son amour. Alors, pas bouger. Nous espérions que tu saisirais cette occasion de trash. Donc il va être brûlé. Où que tu sois, montre-toi. Et KO, voilà. C'était pas un combat très très dur. C'est pas vrai! Je peux pas laisser un gamin dans le noir deux minutes sans que vous rappliquiez! Vous êtes mûr pour l'enfer! Maintenant, fichez le camp!
D'accord, je vais aller voir si des cierges ont coulé. Et moi, j'ai des goupillons à astiquer. Fichtre ! Je me sens trop mal, du coup. Tu sais quoi ? Un ami rabbin m'a donné cette œuvre d'art en nouilles. Si la vie te met à l'épreuve, serre t'en pour appeler le prophète Moïse. Bon courage pour ton apprentissage spirituel, mon enfant. Ah, ça fait les invocations comme dans l'autre. Tu as reçu ta première invocation. Accès au menu objet en cours de combat. Utilise l'œuvre d'art en nouilles. Alors, je sais pas si on peut l'utiliser plusieurs fois. Agenouillé devant Jésus. Hop, code du local. Ok. Je te recontacterai dès que tu seras prêt pour l'étape suivante. Je serai fier d'avoir une photo de nous deux après tout ce que nous avons traversé. Tu en prends une ? Youpi ! Que Dieu te bénisse, nouvel enfant. Tu te rappelles comment Morgan Freeman était Dieu ? Ah ouais, je me souviens. Tu te rappelles quand les chrétiens s'occupaient des pauvres et des malades ? Sûr, je me rappelle. Tu te souviens de ça? Oh, tu te souviens? À genoux, devant Jésus. Ah, j'avais pas vu le yaoi, mais j'avais vu que je pouvais interagir. Amulette de contemplation. On va regarder un peu mes artefacts. De perso, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Un lien inconnu. Occasion avec des macaronis, de la colle, un cœur. 10 existantes, moi je voulais les artefacts. Monter la puissance à 58. Dégâts d'effet d'état, ça augmenterait. Je récupérerais de l'énergie. Ça diminuerait mes dégâts de combo de repoussement.
et j'aurai moins de puissance d'ulti. Je vais attendre un peu pour le moment. J'attendrai peut-être d'avoir le niveau 4 pour... Tu t'en sors bien jusqu'ici, le nouveau. Regagne le repère du Kun, je pense qu'on peut avancer sur ton perso. Kun, terminé. Ok, donc faut que j'aille au repère du Kun. Tu que c'est niveau 60 apparemment. La maison Craig, les yaoi. On va aller voir vite fait le moustique. Qui est au raisin. Ah, quoique, il fallait que j'aille à Mary aussi pour mettre les affiches. Hop, on va retourner vite fait au commissariat. J'aurai peut-être d'autres missions à avoir. T'es censé être qui, toi? Une chef majorette? Vas-y, passe. Je suis occupé, petit. Peut-être plus tard. Eh, hey, je t'ai fait une mission, mon gars. À qui est-ce, Marmot? Ouvre l'œil, il y a des gens louches. Tu sais très bien de qui je veux parler. Tu t'es perdu en plein voyage scolaire? C'est pas cool, les gars. Moi, je voulais vous aider. Allons à la mairie. Annulez tous mes rendez-vous du jour. Peut-être, si le maire te suit. Travaille bien à l'école, gamin. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras le maire d'un patelin paumé dans la montagne. Pas question de te suivre si le maire ne te suit pas. Madame le maire voulait pas me suivre. Ah. Un petit yoï. À mettre. J'ai pas de la galerie quand je fais la queue pour un café crème. Ok, donc lui il me donne des indices. Aujourd'hui ce sont les chats qui disparaissent. Demain ça pourrait être toi. J'ai déjà récupéré ça. Ok. Enfin, quoique là l'épisode va être assez long, je pense. On va se rendre au... on va se rendre près du raisin. Et on s'arrêtera là-bas. Excusez ma vulgarité, mais je pense que les gens sont des crétinos. C'est pour toutes les filles du raisin. Filles du raisin, rassemblement. Tiens à toi. T'aimes ça, ces trucs de super-héros? Un nouveau. J'attends la commande. Jouons avec les lois de la physique. Allez, toi, t'es KO. Je vais vous montrer d'où vient le double choc de nos ailes de poulet double choc. Allez, bien placé. T'es KO aussi. Alors, qu'est-ce que ce sera?
Désolé pour ce que je m'apprête à faire. Mettez ça sur votre Instagram. Oh, ça c'est un trouva à Lego. Va te faire foutre. Essayez de suivre les autres. Bravo, mais tu t'en fous, je crois. Tout va bien ici, super. Ah et comment oses-tu frapper un gamin avec des bagues? Oh, je suis en l'air. D'accord. Pas de soucis, je te coupe. Une protection en plus. Je vais me faire attaquer. Je vais te donner le genre de dérouillé que ma mère filait à mon père. Mince. J'en ai plus rien à battre. C'est lent, mais c'est efficace. Hein? Oh, je te plains, aïe, mec. C'est le moment de te casser, au sens propre. Aïe! C'était le mur du son ou une fracture de mâchoire? Vous venez pour une raclée? J'envoie la commande tout de suite. Pluie de la mer en cours! La petite ulti pour finir. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense que ce sera pas mal. T'as collé à cet enflure, on a peur des cerfs-volants. Par les pouvoirs que me confèrent mes yeux laser, je... Bien joué, super, etc, etc. Un peu de monnaie, un peu d'expérience. Par là qu'il faut passer. C'est limite, je pense. Vous êtes un mineur et vous approchez de substances réglementées. Éloignez-vous de la porte ou vous serez abattu. Je m'amuse comme une folle! On devrait faire justice nous-mêmes plus souvent. Non! Je croyais que t'aimais bien frapper les filles. Ouais, on verra ça plus tard. Je vais pas rentrer là, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un bâtiment. Non, je peux pas rentrer là non plus. Et bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve très bientôt pour le 7ème épisode, et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.